Gérald Dautier, bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous dans cette émission. Pour cette deuxième émission de la rentrée, on a choisi de prendre à le bras le corps un sujet compliqué, l'inflation. Mais on sait que notre audience apprécie les sujets un peu difficiles. Pour parler de tout ça, on reçoit quelqu'un qui ne fait pas les médias, mais qui connaît parfaitement le sujet. Gérald Dautier, vous êtes financier, spécialiste des questions monétaires, auteur de deux ouvrages, Savoir investir et Leçons de stratégie des meilleurs investisseurs, publiés aux éditions Maxima. Pour commencer cet entretien, euh, je vais vous poser euh, une question. Pourquoi l'inflation est-elle si forte en ce moment Alors il est vrai que l'inflation est aujourd'hui l'un des sujets qui fait le plus la une de l'actualité dans les médias. Et pourtant, le sujet de l'inflation ou le sujet de la monnaie est un sujet très complexe qui peut assez souvent porter à confusion, même parmi les économistes qui assez souvent se posent des questions. Comme par exemple de savoir s'il faut oui ou non ouvrir ou fermer ce qu'on appelle le robinet du crédit. Tocqueville disait que une idée fausse mais claire et précise aura toujours plus de puissance dans le monde qu'une idée vraie mais complexe. Et sur l'inflation, effectivement, il y a beaucoup d'idées qui sont fausses mais claires et précises. Alors mon objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de faire en sorte que vos auditeurs, qui ne sont pas forcément des spécialistes des questions monétaires, puissent se dire Finalement, moi aussi, je comprends ce que c'est que l'inflation. Euh, pour cela, il faut se pencher sur deux questions. La première, c'est une question des questions de monnaie, comprendre ce que c'est que la monnaie. Et la deuxième, c'est de comprendre les, le système monétaire international. Alors, que les experts des questions monétaires me pardonnent, je vais être évidemment très schématique, parce qu'encore une fois, mon objectif, c'est la compréhension de tous. Toute économie, toute économie, repose sur l'échange. C'est bien normal parce que qu'on est tous spécialisés ou on a tous tendance à la spécialisation. Certains d'entre nous savent enseigner les mathématiques, d'autres savent faire du pain, d'autres encore savent réparer des voitures. On ne peut pas tout faire. À partir de ce moment-là, il faut qu'on puisse s'échanger les uns les autres des biens et des services. Et notre économie, dans les temps anciens, a commencé sur la base du troc. C'est-à-dire que je vous échange un litre de lait contre trois œufs, par exemple. Mais le troc atteint vite ses limites. Pourquoi Parce que que se passe-t-il si, par exemple, je veux un litre de lait, mais vous ne voulez pas des, euh, de, de mes trois œufs Ce problème, les économistes l'appellent le problème de la coïncidence des besoins. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin, tous, au même moment, de la même chose, et on n'a pas forcément intérêt à avoir... Un échange réciproque. Il nous faut donc une troisième marchandise pour pouvoir faire un échange indirect qui va nous servir à faire ces échanges. Cette marchandise, c'est la monnaie. Mais oublions pour l'instant euh, les billets de banque et les pièces de monnaie. La monnaie, dans l'histoire, a pris plusieurs formes. Parmi ces formes, euh, il y avait évidemment euh, le tabac, le cuivre, le bétail les perles et même pendant la Seconde Guerre mondiale on avait dans les camps de prisonniers comme monnaie les cigarettes, c'est-à-dire que tous les prisonniers avaient intérêt à accumuler des cigarettes même s'ils ne fumaient pas. Pourquoi Parce que ça leur servait pour dans le futur à euh, acquérir des biens et des services. Donc la monnaie est avant tout une marchandise, une marchandise qu'on va échanger. Et cette marchandise doit avoir deux qualités principales. La première, c'est d'être divisible, c'est-à-dire pouvoir facilement la, la comptabiliser, la compter, la, la diviser en petites parties. Et la deuxième, c'est que la monnaie puisse conserver sa valeur dans le temps. On aurait pu prendre, par exemple, comme monnaie des pommes. C'est facilement divisible. Euh, mais évidemment, les pommes se conservent beaucoup moins bien sur, sur le temps. Deux monnaies ont émergé naturellement, spontanément sur le marché, c'est l'or et l'argent. Assez rapidement, s'est posé un problème, c'est le problème du stockage. Et les orfèvres, qui évidemment étaient spécialistes de ces sujets, ont commencé à proposer, ont proposé euh, des services de stockage de l'or. En échange duquel, vous receviez un reçu sur lequel était écrit la quantité en poids de monnaie que vous aviez déposé dans ces entrepôts sécurisés. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il n'était pas forcément nécessaire d'aller, de faire des allers-retours aux entrepôts et qu'il était beaucoup plus pratique d'échanger ces reçus. Ces reçus, les économistes appellent ça des substituts monétaires. Mais évidemment, vous avez compris et vous avez reconnu qu'on parle ici des billets de banque. Donc les, 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 les entrepôts qui, évidemment, sont, sont ce qu'on a, qu a connu par la suite, qu'on a appelé les banques, ont permis de stocker d'un côté l'or des citoyens, en échange de quoi elles donnaient des billets de banque. Un premier problème est apparu lorsque les banques se sont aperçues que les épargnants ne venaient pas tous au même moment récupérer l'or qu'ils avaient dans le coffre. À partir de là, les banques se sont dit ben, :« On peut imprimer plus de reçus, de billets de banque qu'il y a, qu'on a de réserves dans nos coffres. » On appelle ce type de réserve des réserves fractionnaires dans le langage euh, des banques centrales. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement qu'il y a plus de billets en circulation que d'or. Mais ce défaut ou cette limite était relativement euh, limitée, si, si je puis dire, puisque il y avait, il existait une concurrence entre les différents acteurs, entre les différentes banques privées, euh, qui évidemment obligeait les banques à garder une grosse quantité d'or dans, le, dans leur coffre par rapport à la quantité de monnaie papier en circulation. Et ce on a, à partir de 1803, euh, la, la Banque de France obtient, on lui octroie le monopole de l'émission euh, de des billets de banque. Entre 1815 et 1914, la plupart des pays du monde se convertissent à ce système qu'on appelle le système de l'étalon or. C'est-à-dire qu'en 1914, on a à peu près la totalité des billets en circulation qui sont équivalents, peu ou prou, à la, à la totalité du stock d'or dans les coffres des banques. En 1914, évidemment, déclenchement de la Première Guerre mondiale, un changement majeur s'opère. Quel est-il C'est est que les principaux belligérants, que sont l'Allemagne et euh, la France et l'Angleterre, se mettent à imprimer beaucoup d'argent, papier, et suspendent la convertibilité de la monnaie papier en or. Elles le suspendent, et c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire, euh, c'était également le cas pendant la, la guerre de sécession, avec l'idée, à terme, que, en tout cas pour les, les Français et les, et les Anglais, que les stocks d'or seront euh, remplis de nouveau grâce aux réparations que les, les Allemands euh, paieront après-guerre, c'est le fameux seul slogan, l'Allemagne paiera. Bien évidemment, sur les 80 milliards de marques or que l'Allemagne devra payer, elle n'en paiera que 5 milliards. Euh, pourquoi Parce que le président américain ouvert en 1926 déclare un moratoire sur la dette allemande pour ne pas que les Allemands euh, se tournent vers le, vers le communisme, qui à l'époque était visiblement le principal danger. Après-guerre, les principaux pays, que sont la France, l'Allemagne et l'Angleterre, connaissent des, des niveaux d'inflation élevés, voire très élevés pour l'Allemagne. On est euh, à l'époque de la République de Weimar, et à cette époque-là, les niveaux d'inflation sont stratosphériques. Pour avoir une idée, en France, les prix sont multipliés par 6,5 entre 1913 et 1928, à partir de, de, du moment où on aura le, ce qu'on appelle le franc-point carré, qui est une dévaluation. Et en Allemagne, c'est encore pire, on passe en, 1900 de, en 1913... À 1 dollar qui vous donne 4 marques, pour 1923, à 1 dollar qui vous donne 4 milliards de marques. Donc des niveaux d'inflation stratosphériques. Entre les deux guerres, il ne reste que les États-Unis et d'une certaine manière la Grande-Bretagne qui ont un système de convertibilité des monnaies en or. À partir de 1944, les alliés se réunissent dans une petite ville du New Hampshire qui s'appelle Bretton Woods et ils dessinent l'architecture du système monétaire international tel qu'on le connaît aujourd'hui. On dit souvent que ce qui a donné la prééminence euh, du dollar dans les échanges internationaux, c'est la puissance économique des États-Unis. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Pourquoi Parce que ce qui a permis au dollar de prendre une telle importance, c'est d'abord et surtout parce que les monnaies des principaux pays concurrents du dollar étaient très mal gérées et ces pays-là ont imprimé énormément d'argent pendant toute la période. En 1971, en 1971, Nixon suspend, le 15 août 1971, la convertibilité du dollar en or. Jusqu'à présent, il était possible, non pas pour les citoyens mais pour les banques centrales, d'échanger leur dollar en or. À court fixe. À partir de 1971, c'est plus possible. Pourquoi Tout d'abord parce que les Américains impriment énormément de dollars pour financer la guerre du Vietnam. Et aussi parce que certains alliés, et il faut le dire sous l'impulsion de la France et du général de Gaulle, commencent à rapatrier leurs stocks d'or, à échanger leurs dollars et les rapatrier dans leur pays d'origine. Et là, tout change. Pourquoi Parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, notre monnaie ne repose sur rien. Pour la première fois, notre monnaie n'est plus supportée par une quantité définie de marchandises. On passe sur une monnaie qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Euh, et ça a deux conséquences principales. La première, c'est ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie. Si aujourd'hui vous allumez n'importe quelle télé ou radio, vous allez voir des, des nouvelles sur les, le cours de bourse, les actions, les taux. C'est l'une des conséquences de. Ce, cette suspension de convertibilité et la deuxième, encore plus dramatique, si je puis dire, c'est que à partir de 1971, on aura une explosion, littéralement une explosion, de la dette publique, euh, qui est le résultat du financement de ce qu'on appelle nous l'État providence, en tout cas des dépenses sociales. C'est à partir de ce moment-là où euh, les autorités publiques décident d'imprimer beaucoup d'argent pour financer ce qu'on appelle notre modèle social. Et juste pour terminer sur ce point-là, il faut bien avoir à l'esprit que pour le, le cas de la livre sterling et du dollar, parce que plus facile de comparer les monnaies lorsqu'il n'y a pas eu de, de changement comme avec le franc et l'euro, pour la livre sterling, jusqu'en 1914, si on regarde dans les 100 années qui ont précédé... Euh, jusqu'à jusqu 1914, on s'aperçoit que les prix en Grande-Bretagne ne changent à peine. Et c'est à peu près la même chose aux États-Unis, entre 1750, date à laquelle on commence à enregistrer les prix, jusqu'à la moitié des, des années euh, 1930, les prix aux États-Unis ne bougent pratiquement pas. Qu'est-ce qui se passe en 1930 euh, bah le, le, le président américain euh, décide de dévaluer le cours de, du dollar par rapport à, à celui de l'or. Merci. Euh... Vous situez l'origine de l'inflation actuelle à la fin de Bretton Woods. Pourtant, on ne connaît une inflation élevée que depuis quelques mois. Euh, Qu'est-ce qui a changé selon vous Alors, c'est vrai, mais il faut bien avoir conscience que ce que l'on appelle, nous, l'inflation, aujourd'hui, on, quand on parle d'inflation, on a cette idée de hausse des prix, c'est-à-dire hausse des prix de l'essence, hausse des prix de mon panier de consommation courante. Mais l'inflation, à la base, c'est tout simplement l'augmentation de ce qu'on appelle la masse monétaire, c'est-à-dire le nombre de, de billets en circulation. Euh, et si on, prend, euh, si on regarde les choses comme ça, on s'aperçoit que l'inflation n'est pas de retour, comme on peut l'entendre ici ou là, mais l'inflation est bien présente depuis plusieurs années. Il faut tout simplement s'intéresser non pas au prix, des biens à la consommation, au prix des, 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 des biens de consommation courante, mais ce qu'on appelle au prix des actifs. Qu'est-ce que sont les actifs bah, Tout simplement l'immobilier, les marchés financiers, le marché de l'art. Et on s'aperçoit bien que depuis 2008 et d'autant plus depuis 2020, le fameux quoi qu'il en coûte, on s'aperçoit bien que les prix des actifs, donc de, du marché immobilier, du marché financier et d'autres types de marchés d'actifs, ont augmenté significativement. Pourquoi parce qu'à partir de 2008, les principales banques centrales mondiales mettent en place des euh, politiques qu'on appelle des politiques monétaires accommodantes ou laxistes. Qu'est-ce que ça veut dire Je vais être technique pendant une seconde. Ça veut dire tout simplement de mettre en place un système d'expansion forcée du crédit en baissant les taux d'intérêt ou en rachetant des actifs aux, aux banques ou euh, aux États. Euh, mais, mais pour nous, pour se simplifier, on va simplement parler d'impression monétaire ou de, de faire tourner la planche à billets. C'est la même chose. Ça revient exactement, euh, ça revient exactement au même. D'accord. Donc vous estimez euh, que le calcul de l'inflation n'est pas fiable Alors oui, effectivement, si jamais, euh, si, si jamais il n'y a pas d'intervention dans l'économie de, de, des banques centrales, on, a, on est bien d'accord que l'ensemble des biens et des services est équivalent au stock de monnaie. Donc, si on augmente le stock de monnaie, d'une certaine manière, on, devrait, on, on a la, la monnaie qui se déprécie. Mais si on n'augmentait pas ce stock de monnaie et que le, le stock de monnaie était stable, comme dans une économie, on devrait avoir tendance normalement à produire des biens, on devrait avoir plus de biens pour autant de monnaie. Et dans une économie naturelle, naturellement, le pouvoir d'achat a tendance à se développer, non pas à se détériorer. Alors en France, on mesure euh, l'inflation à l'aide d'un indice qu'on appelle l'IPC. L'indice des prix à la consommation, c'est l'INSEE qui mensuellement va euh, évaluer le, le panier moyen des ménages. Alors comment ça se passe si par exemple vous avez le prix d'un paquet de café euh, moulu qui coûte 2 euros, si le mois suivant... Euh, ce paquet coûte euh, 2 euros euh, et 4 centimes, eh bien, l'INSEE va euh, calculer qu'il y a eu une augmentation de 2% globalement sur cette ligne euh, qui représente un panier euh, moyen des ménages. Et puis après, fait le calcul de toutes les lignes pour vous donner le, le, le montant global de l'inflation. Mais ce calcul a deux limites. Deux limites. La première... C'est qu'effectivement, si vous, vous ne buvez pas de café, ben, ce panier moyen de consommation ne vous représente absolument pas. C'est votre problème, pas le leur. Et l'INSEE exclut un grand nombre de, de biens et de services de son calcul, comme par exemple euh, les, les primes d'assurance, les véhicules d'occasion, euh, les services de plomberie, d'électricité, etc. Mais vous pourriez me dire, soit... Ça représente un panier imaginaire d'un ménage qu'il est tout autant, pourquoi pas. Mais il y a un deuxième problème qui est beaucoup plus sérieux dans le calcul des, de, de l'IPC, donc de l'indice des prêts à la consommation, qui nous permet de connaître notre niveau d'inflation, c'est que c'est ce qu'on appelle le biais de substitution. Qu'est-ce que c'est Imaginons que chaque mois, vous consommiez euh, 5 litres de jus d'orange. Et que chaque litre de jus d'orange coûte 1 euro. Donc chaque mois, vous dépensez 5 euros. Imaginons par ailleurs que en Floride, la Floride est un grand producteur d'orange, de, de, de jus d'orange, euh, il y ait une tempête euh, extraordinaire qui décime complètement les, toute la production de, de, de cet agrume. Et qu'est-ce qui va se passer ben, Évidemment, le prix. De, de l'orange va exploser et le prix du jus d'orange va augmenter. Imaginons maintenant que ce litre de jus d'orange que vous payiez auparavant 1 euro passe à 5 euros dans les supermarchés. Là, vous avez deux options. La première, c'est de se dire bah, puisque c'est beaucoup plus cher, puisque un litre de jus d'orange coûte 5 euros, je vais plus consommer de jus d'orange. Là, qu'est-ce que se dit l'INSEE Évidemment, pas si c'est uniquement vous, mais si c'est la totalité des, des ménages qui font la même chose, se dit bah, Puisque le jus d'orange n'est plus consommé, dans ces cas-là, on va le retirer du panier moyen des ménages. D'accord. Pire, si jamais euh, vous décidiez de toujours vouloir consommer vos 5 litres de jus d'orange euh, mensuellement, mais évidemment, puisque le, le litre de votre jus d'orange préféré a, a augmenté, vous allez peut-être vous tourner vers un jus d'orange de bien moindre qualité. Et effectivement. Euh, là, l'INSEE ne peut pas calculer ce qu'on appelle ce, cette détérioration de la qualité des biens et des services que, que, que l'on achète. Et, bien, et euh, selon vous, euh, cette inflation, à qui elle profite le plus Et euh, qui en pâtit le plus Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1849, dans un journal qu'on appelle « La Voix du Peuple », qui était un journal fondé par Pierre-Joseph Proudhon, Proudhon pour… Euh, ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des pères du, du socialisme qui a notamment inspiré Marx et qui considérait que la propriété c'était le vol. Et euh, dans les pages de la, de la Voix du Peuple, euh, Proudhon débattait avec un autre euh, économiste, partisan des libertés, qui s'appelle Frédéric Bastiat, euh, sur ces sujets euh, sujet de la monnaie. En, en résumé, ce que disait Proudhon, c'était qu'il était pour que l'on suspende la convertibilité qu'à l'époque de l'or avec la monnaie, qu'on ait une monnaie qui soit 100% papier, que l'on augmente cette masse monétaire et que l'on réduise à zéro les taux d'emprunt. Selon lui, selon Proudhon, ça nous permettrait d'avoir absolument plus de dettes et des entreprises qui seraient très prospères. De l'autre côté, Bastia lui répond, c'est absurde, si on met en place ces politiques, la seule chose qui va se passer, c'est que les pauvres s'appauvrir et que les riches vont devenir de plus en plus riches. Eh bien, 170 ans plus tard, on a mis en place les politiques de Proudhon, en tout cas ses recommandations, mais par contre c'est Bastia qui avait raison. Mmh. Qu'est-ce qui en profite et qu'est-ce qui en souffre eh bien, Ceux qui en profitent d'abord, on a un économiste franco-irlandais qui s'appelle Richard Cantillon qui nous a appris il y a quelques siècles de cela que l'inflation se diffusait d'abord au point d'entrée de la monnaie. Donc comment est-ce que la monnaie est diffusée dans notre économie Principalement par le crédit bancaire. Donc toutes les personnes qui en profitent, c'est les personnes qui ont eu accès à ce crédit bancaire ces dernières années, les personnes qui se sont achetées un bien immobilier, les personnes qui ont vendu un bien immobilier. C'est aussi toutes ces entreprises qui ont pu se financer sur de la dette à très bon marché. Je pense notamment à, à la Big Tech, ou euh, la big tech euh, aux, aux États-Unis qui, qui s'est systématiquement développée. Sur des projets qui sont notamment pas rentables, mais qui ont pu se développer grâce à un financement à taux zéro. C'est évidemment l'État, parce que l'État est le premier des emprunteurs. C'est tous ceux qui ont pu investir sur les marchés financiers, parce que les entreprises ont mis en place des rachats d'actions. Donc, tous ceux-là sont ceux qui ont profité de l'inflation. Maintenant, qu'est-ce qui en souffre Et c'est là, à mon avis, le plus grand scandale du XXe siècle et certainement également celui du XXIe siècle, parce que les personnes qui souffrent le plus de l'inflation, ce sont les classes populaires et ce sont les plus fragiles d'entre nous. Pourquoi C'est très facile à comprendre. Déjà, cette catégorie sociale n'a pas les moyens de se payer les services d'un conseiller financier qui va les orienter pour mettre leur épargne sur des produits qui euh, qui ne se dévalorisent pas quand il y a beaucoup d'inflation. Par ailleurs, en général. Les plus modestes d'entre nous, c'est souvent les personnes qui ont juste un matelas d'épargne et pas plus. Et évidemment, évidemment elles voient ce matelas d'épargne se réduire avec le temps. Donc, ceux qui souffrent le plus des politiques monétaires actuelles mises en place par nos banques centrales, ce sont les plus modestes. Et ça, c'est un scandale incommensurable qui est très peu commenté. Mais j'aimerais ajouter là-dessus un seul point. C'est que ce que je dis là... Ça fait unanimité chez, on va dire, dans tout le spectre des, des, des économistes, que ce soit de, de Ludwig von Mises, qui est le chef de file de l'école autrichienne d'économie, et qui déclarait que l'inflation est une taxe sur l'épargne, et le drame, c'est que les plus pauvres d'entre nous ne s'en rendent pas compte. Et même Keynes, Keynes qui est l'instigateur de ces politiques inflationnistes, et pour rappel, qui est quand même, même l'idéologue de référence en économie. Pour une grande partie de la gauche, et notamment de l'extrême gauche, qui préconisait des, des, des mesures inflationnistes et qui déclarait, euh, il a déclaré ça dans un ouvrage qui s'appelle Les conséquences économiques de la paix en 1919, que par un processus continu d'inflation, les gouvernements peuvent secrètement et sans être observés confisquer une grande partie de la richesse de, euh, des citoyens. Donc l'inflation, effectivement, euh, pour l'ensemble des économistes, c'est de l'argent qui est prélevé à qui, je vous le dis, aux plus pauvres d'entre nous. Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi les prix montent quand on imprime de l'argent Oui. C'est un peu technique. Alors je vais essayer d'être encore une fois euh, schématique. Dans une économie... En face de tous les biens et services que vous avez, vous avez un stock de monnaie. Si on augmente ce stock de monnaie en imprimant de l'argent, eh la monnaie se déprécie. Pour le comprendre, prenez, imaginons que l'ensemble du stock de biens soit une pomme de terre et que l'ensemble du stock de monnaie soit un seul euro. C'est-à-dire que dans toute l'économie, il n'y a qu'une seule pomme de terre et en face, il n'y a qu'un seul euro. Si on imprime un euro de plus, dans toute l'économie, on a une pomme de terre. Maintenant, on a 2 euros. Donc, mon pouvoir d'achat de mon euro s'est dévalorisé, évidemment, parce que maintenant, il me faut 2 euros pour acheter une pomme de terre. Avant, j'avais besoin d'un seul euro pour acheter une pomme de terre. Mais pour le comprendre de manière un peu plus détaillée, prenons un exemple un petit peu plus complexe. Imaginons que nous avons un boulanger, un jardinier et un ouvrier. Mettons la monnaie de côté. Supposons que notre boulanger, lorsqu'il fabrique... Sa baguette de pain reçoit en échange un jeton. Supposons que le jardinier qui vient tailler vos haies euh, reçoit en échange trois jetons. Euh, et l'ouvrier, on va considérer qu'en échange de ses services, de son travail, il reçoit une centaine de jetons par mois. Le boulanger, le jardinier et l'ouvrier créent ce qu'on appelle de la richesse. Cette richesse, elle peut être accumulée, elle peut être échangée ou elle peut être euh, dépensée. C'est le principe d'une économie. Maintenant, imaginons qu'il existe une association de malfaiteurs et que cette association de malfaiteurs puisse et la possibilité de créer des jetons qui soient strictement identiques aux jetons que reçoivent euh, nos boulangers, jardiniers et, euh, et ouvriers. Il n'y a aucun moyen de distinguer les vrais jetons des faux jetons. On est bien d'accord que cette association de malfaiteurs peut faire absolument ce qu'elle souhaite avec ce jeton, elle peut évidemment acquérir des biens et services, elle pourrait même en redistribuer une partie à la population, et on pourrait appeler ça l'État-providence si on le souhaite. Qu'est-ce qui se passe On se rend bien compte que dans ce cas, cette association de malfaiteurs va retirer de notre poule de biens et services une partie des biens et services. Et dans le même temps, elle va ajouter des jetons supplémentaires, donc de la monnaie supplémentaire. Donc on a bien une diminution des biens et services et une augmentation de la monnaie. Et bien dans ces cas-là, on peut effectivement considérer qu'il y a vol. Donc vous estimez que l'inflation est un vol Tout à fait. Pour le comprendre, c'est simple. Imaginons par exemple que vous me prêtiez 100 euros et que je vous rende 90 euros à la fin de l'année. Vous, vous allez dire que c'est un vol. Moi, je peux appeler ça de l'inflation. Il ne reste pas moins que c'est un vol. Les pouvoirs publics, lorsqu'ils veulent financer la dépense publique, par exemple la construction d'un hôpital, ont que trois moyens à leur disposition. La première, c'est l'impôt. L'impôt, qu'est-ce que c'est C'est un prélèvement immédiat des ressources qui sont, qui sont produites dans l'économie. La deuxième, c'est émettre de la dette. On appelle ça des obligations souveraines, pour être plus précis, on appelle ça des, des obligations assimilables au trésor. Mais elles émettent de la dette sur les marchés qui va être achetée par des investisseurs. Alors quand on pense investisseur, c'est assez souvent Madame Michu qui a son assurance vie à la poste qui va acheter ces obligations-là. Il faut en avoir conscience. Ça, c'est la deuxième façon de se financer. Et la troisième façon de se financer, c'est tout simplement de monétiser la dette. Et comment est-ce qu'on monétise la dette Eh bien, on fait en sorte que la valeur de la dette que j'ai émise aujourd'hui, sa valeur dans le futur soit bien moindre que sa valeur d'aujourd'hui. Et prenons un, un, un exemple qui nous permet véritablement de comprendre pourquoi est-ce que l'inflation est un vol. Imaginons que vous souhaitiez, à la fin de cette année, vous achetez une voiture, une voiture à, disons qu'elle coûte 10 000 euros. Imaginons par ailleurs que dans l'économie, une paire de sneakers coûte 100 euros, un panier de course, ça coûte 50 euros. Et que votre salaire, pour simplifier, soit de 1000 000 euros par mois. Maintenant, il y a 10 d'inflation. Okay Donc, à la fin de l'année, effectivement, les sneakers ne coûtent plus 100 euros, elles coûtent 110 euros. Il y a eu 10 d'inflation. Mon panier de course moyen ne coûte plus 50 euros, il coûte 55 euros. La voiture ne coûte plus 10 000 euros, elle coûte 11 000 euros. Et votre salaire qui était de 1 000 euros, effectivement, il est bel et bien réévalué. Il est à 1100 100 euros. On pourrait d'ailleurs ajouter là-dessus qu'il y a toujours un décalage. Entre le moment où les prix augmentent et les salaires augmentent, et ça serait aussi qualifiable de vol, mais c'est un autre sujet. Et donc, la voiture coûte 11 000 euros. Maintenant, vous voulez vous acheter votre voiture. Il y a une chose qui n'a pas changé c'est votre épargne. Parce que votre épargne qui vous permettait de vous acheter cette voiture aux 10 000 euros au début de l'année, elle est à 10 000 euros, et à la fin de l'année, elle est toujours à 10 000 euros. Et donc, au début de cette année, vous pouviez effectivement vous acheter une voiture, et à la fin de cette année, vous ne pouvez plus, puisque la voiture maintenant est à 11 000 euros. Eh bien, cet argent, il vient bien de quelque part. Et il vient de cette inflation, de cette taxe sur l'épargne. Vous estimez que euh, l'inflation euh, profite aux pouvoirs publics Pourtant, euh, ces derniers euh, disent euh, la combattre. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Alors, il est certain que d'une manière générale, l'inflation est toujours présentée par les pouvoirs publics. Comme, étant une comme une catastrophe naturelle ou un fléau contre lequel les gouvernements veulent systématiquement nous protéger. Bon, ça, c'est un petit peu l'histoire qui est racontée pour nous faire plaisir. Parce que dans les, faits, dans les faits, les gouvernements ont toujours eu intérêt non seulement à mettre en place des politiques inflationnistes, mais en plus à minimiser cette inflation. Euh, et ce, depuis toujours. Pourquoi bah, Tout d'abord parce que quand il y a beaucoup d'inflation, pour l'État, c'est tout bénéfice. Tout d'abord, euh, l'État peut émettre de, nouvelles, de la nouvelle dette, ça va lui coûter moins cher, le service de la dette va lui coûter moins cher. Par ailleurs, euh, les impôts augmentent. Pourquoi Parce que si les prêts augmentent, la TVA va augmenter, l'impôt sur le revenu va augmenter, l'impôt sur les sociétés va augmenter, hein, c'est mécanique. Et dans le même temps, les prestations sociales n'augmentent pas immédiatement. Et enfin, l'inflation, bah, ça permet toujours au pouvoir public de montrer qu'ils agissent ou qu'ils réagissent pour, euh, pour nous protéger. Mais si on regarde un petit peu euh, dans l'histoire, des, des, des épisodes d'inflation, on en a depuis euh, déjà l'époque de, de l'Empire romain, de l'empereur Constantin, on reniait les pièces de monnaie et avec les résidus, avec les résidus de ces pièces de monnaie, on frappait de nouvelles pièces, ce qui permettait de financer les guerres. Et l'inflation était évidemment très importante à cette époque-là. On a parlé tout à l'heure de, de l'époque euh, de la République de Weimar. Pour se donner une idée de ce que représente une hyperinflation, euh, vous alliez au restaurant à l'époque de la République de, de Weimar. Le temps qu'on vous apporte l'addition, les prix avaient doublé. On parle d'un niveau d'inflation vraiment stratosphérique. Et pourtant, même à cette époque-là, à l'époque de la République de Weimar, le, le, les économistes principaux et le gouvernement allemand nous disaient que l'une des raisons pour lesquelles l'inflation était si élevée est parce qu'il n'y avait pas assez de monnaie en circulation. Mmh. Donc ça a toujours été de tout temps pour les gouvernements, l'inflation un outil qui leur bénéficie et évidemment dans leur intérêt de minimiser. De minimiser euh, le poids de l'inflation. Et si vous voulez mon avis sur la question, je vous dirais que c'est un peu le chemin qu'on prend et que l'an prochain, on nous dira qu'il faut encore une fois mettre en place une sorte de quoi qu'il en coûte bis parce que ce sera nécessaire pour l'économie. C'est ce que sait faire l'État, c'est la seule chose qu'il sait faire, c'est d'imprimer de l'argent et d'imprimer de la monnaie. D'accord. Euh, on entend ici et là que l'inflation est due au prix de l'énergie qui, euh, qui a augmenté à cause de la réduction des importations russes. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, d'une certaine manière, c'est vrai. Mais ça ne peut pas l'être complètement. Je m'explique. Tout prix est le résultat de l'offre et de la demande. Donc, effectivement, si l'offre de quelque chose se réduit et que la demande est identique, les prix vont monter. Mais on ne peut pas avoir d'augmentation généralisée des prix comme on l'a aujourd'hui sans cause monétaire c'est très facile à comprendre imaginons que quelque part dans le monde pour des raisons géopolitiques euh, la production du blé s'effondre donc on est bien d'accord que le prix du blé est aussi le résultat de l'offre et de la demande de blé donc vous avez moins d'offres et une demande à peu près équivalente vous si chaque mois vous vous achetez un kilo de farine de blé si vous voyez les prix du blé augmenter donc le prix de la farine va augmenter Qu'est-ce que vous allez faire ben, Si votre salaire est identique, vous allez dépenser quelque chose sur quelque chose, de, vous allez dépenser un petit peu moins, comme par exemple sur un kilo de sucre. Mais le prix du sucre, lui aussi, il est le résultat de l'offre et de la demande. Donc si on a moins de demandes de sucre, le prix du sucre doit, doit, doit être réduit, doit s'effondrer. Si on a une augmentation généralisée des prix, c'est qu'on a forcément, forcément, une raison d'origine monétaire, c'est-à-dire inflationniste, et c'est ce que disait Milton Friedman, le chef de file de l'école monétariste. L'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Et d'ailleurs, euh, et d'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que euh, les prix à la consommation n'augmentent pas depuis février 2022, c'est-à-dire depuis la déclaration de la guerre en Ukraine, mais depuis février 2021 aux États-Unis et en Europe. Donc c'est une preuve de plus que c'est la raison principale de l'augmentation généralisée des prix n'est pas une raison énergétique ou géopolitique, c'est une raison monétaire. Mais permettez-moi de faire une petite digression sur la Russie. On a entendu ici et là, euh, notamment de la part de notre ministre de l'économie, qu'on voulait mettre l'économie de la Russie à terre, par terre. Euh, pourtant, on s'aperçoit, on, on le voit, que le cours du rouble s'est renforcé. Si on veut mettre, évidemment, une économie à terre, il faut que sa monnaie euh, se, dé, se déprécise, dégringole. C'est parce qu'on s'y est très mal pris, parce qu'on n'a pas du tout réfléchi aux conséquences de nos actions. Euh, si on avait voulu mettre l'économie russe à genoux, ce qu'il aurait fallu faire, c'est faire complètement l'inverse. C'est-à-dire que, au lieu d'empêcher les, les sociétés européennes présentes en Russie de commercer avec l'Europe, on aurait dû les laisser. Au lieu de supprimer ou de restreindre euh, les, ou d'interdire les transactions SWIFT entre l'Europe et la Russie, il aurait fallu les laisser en place. Parce que qu'est-ce qu'il se serait passé si on avait fait, si on avait fait ça Eh bien, le cours du rouble se serait écroulé. Pourquoi Parce que les Russes, à la moindre encartade ou à la, au moindre, à la moindre mauvaise nouvelle sur le, le, le terrain des opérations, qu'est-ce qu'ils auraient fait de leur rouble Ils les auraient vendus. Et donc le cours du rouble aurait dégringolé. Et d'ailleurs, et c'est ce qui s'est passé au tout début de l'opération. Euh, le rouble est passé de euh, 1 euro pour 85 roubles à 1 euro pour 130 roubles. Mmh. Aujourd'hui, on a 1 euro pour 60 roubles. Si vraiment on avait voulu mettre l'économie russe à terre, il aurait fallu faire exactement l'inverse, c'est-à-dire ne pas mettre en place de sanctions ni sur les transactions financières ni sur les marchandises. Mais ça permet de, me, de dire quoi La première chose, c'est que je pense qu'il faut toujours considérer avec beaucoup de circonspection les décisions économiques et financières euh, de ceux qui nous gouvernent. Euh, vous savez, ça me rappelle, ça me rappelle ce, ce paradoxe de, de l'Assemblée nationale. Si vous aviez une étude qui vous prouvait par A plus B que notre pays se porterait bien mieux en supprimant l'Assemblée nationale, à votre avis, combien de députés voteraient une telle loi Absolument aucun. Oui. Pourquoi Parce qu'il n'est pas possible pour quelqu'un de comprendre quelque chose lorsque sa rémunération ou son pouvoir dépend du fait qu'il ne la comprenne pas. Qu'est-ce qui explique, du coup, selon vous, qu'on ait pris ces sanctions contre-productives alors qu'on aurait pu toucher la Russie d'une autre façon, euh, comme euh, comme vous venez de nous l'exposer C'est, à mon avis, principalement une réaction politique et pas du tout une réaction qui est basée sur des principes économiques. C'est exactement la même chose lorsqu'on nous dit qu'on veut mettre un un plafond sur les prix de l'énergie, les prix du pétrole et du gaz qu'on va acheter à la Russie. C'est ridicule. D'ailleurs, il y a le le patron de Shell euh, récemment dans une interview qui disait que c'était un, une très mauvaise idée et que ce serait une bonne chose de laisser faire les experts sur ces sujets-là. Euh, un homme politique a avant toute chose intérêt à montrer qu'il agit et qu'il prend, euh, qu prend des décisions. C'est un peu le principe euh, même de la politique, même si ces décisions n'ont absolument aucun sens. Et encore une fois, ces sanctions sur la Russie, si l'objectif était de mettre la Russie à genoux, n'aurait pas lieu d'être. Il aurait fallu faire exactement l'inverse. Merci. Euh, Est-ce que pour vous, la solution, enfin une des solutions à l'inflation, euh, ça pourrait être de bloquer euh, certains prix Contrôler les prix, c'est toujours une très mauvaise idée. Pourquoi Parce que chaque prix est le résultat d'une confrontation entre l'offre et la demande. Donc si on réduit artificiellement un prix, évidemment, on aura beaucoup plus de demandes. Pour cette matière première. Prenons un exemple. Imaginons que le, le, le prix d'une du, brique de lait soit de 1 euro et que demain le gouvernement décide que euh, le prix de la brique de lait doit être de 50 centimes. Qu'est-ce qui va se passer bah, Tout d'abord, au niveau de la demande, il y a énormément de personnes qui vont se mettre à acheter du lait alors qu'elles n'en achetaient pas. Il y a énormément de personnes qui vont trouver des nouvelles utilisations pour le lait qu'elles n'avaient pas auparavant. Donc on va avoir une demande qui augmente. De l'autre côté, au niveau de l'offre, évidemment, les marges des producteurs ne sont pas aussi grandes qu'on pourrait le croire. Il y a énormément de producteurs qui vont commencer à produire à perte. Donc, ils vont se dire, bon, moi le lait, c'est fini, je vais faire du beurre, euh, du fromage, ou je vais envoyer euh, mes, mes, mes vaches euh, à la boucherie. Donc, d'un côté, on aura une augmentation de la demande et une réduction de l'offre. Qu'est-ce que ça va faire Ça va créer des pénuries. Et évidemment, le gouvernement va, va arriver en nous proposant des tickets de rationnement. D'un côté, vous aurez des personnes qui auront du lait, d'un côté, des personnes qui n'en auront pas du tout. Donc la situation sera dix fois pire. Mais c'est exactement la même chose sur cette question du contrôle des loyers. Vous avez aujourd'hui euh, des hommes politiques, des femmes politiques, qui vous disent qu'il faut mettre en place un contrôle des loyers. C'est une très mauvaise idée. Pourquoi Parce que d'un côté, vous allez avoir moins d'offres de biens immobiliers, pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, parce que celui qui voulait s'acheter un bien immobilier, il va plus le faire. Parce qu'il va dire... Bah, moi, mon crédit, il est de ce niveau-là. Donc si maintenant, mon loyer, il n'est pas là, mais il est là, je ne vais plus acheter, ça n'a plus aucun sens économique. Euh, et par ailleurs, vous aviez parfois de grandes familles qui étaient dans des, des, des grands appartements. Euh, une fois, en général, lorsque les enfants partent à l'université, prennent leur propre, euh, leur propre appartement, qu'est-ce que font ces familles Elles se disent, bon, on va déménager dans un appartement plus petit, on n'a pas besoin d'un grand appartement comme ça, de payer un loyer aussi important. Eh bien, évidemment, si on contrôle les loyers, encore une fois, ces personnes vont rester dans les appartements, donc on va créer d'autant plus de pénurie. Euh, certains économistes disent que 2% d'inflation par an, c'est bon pour l'économie. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, c'est une mauvaise interprétation, à mon avis, de ce qu'est l'inflation. Mais pour essayer de le, le comprendre, il faut se poser la question, il faut revenir à l'origine de ces 2%, ce qu'on fait assez rarement. Aujourd'hui, les 2% d'inflation, c'est une préconisation du FMI, qui préconise ça depuis maintenant, au début des années 2000. Quand on va chercher l'origine... De, de, cette, de ce chiffre de 2%, on tombe sur un professeur d'Harvard, dont j'ai oublié le nom, qui a sorti un papier dans les années 80 en disant 2% d'inflation, c'est bon pour l'économie. Quand on s'intéresse à ce papier, qu'on va chercher les sources de ce papier, on retrouve Milton Friedman, donc le chef de file de l'école monétariste. Que dit Milton Friedman Il dit jamais qu'il faut 2% d'inflation. Il dit qu'une inflation entre 2 et 5% serait bonne pour l'économie parce qu'elle permet d'augmenter les salaires. Et il est, vrai, il est vrai que si les prix augmentent, les marges des entreprises vont augmenter. Donc les entreprises auront tendance à augmenter les salaires. C'est vrai. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que l'inflation est une taxe sur l'épargne. Donc imaginez bien 2% d'inflation sur une génération, c'est-à-dire sur 25 ans. Ça veut dire qu'on considère qu'il est tout à fait normal de prendre 50%. Donc 2% x 25, 50% de l'épargne d'une génération. Ça n'a oui. aucun sens. Euh, au vu de la situation actuelle, vous estimez que euh, l'inflation, enfin cette inflation va durer combien de temps Quand est-ce que vous pensez qu'elle va s'arrêter Il est toujours très délicat de faire des, de faire des prévisions. Euh ce que je pourrais vous dire, c'est la chose ben Pourquoi Déjà parce qu'on euh, se souvient tous dans les années 80 du prix Nobel d'économie Samuelson qui disait que le PIB de l'URSS serait supérieur au PIB des États-Unis euh, dans le courant des années 2000. Euh, parmi les autres grandes prédictions qu'on a eues, c'est celle de Irving Fischer, qui était le grand économiste des années euh, 1920, qui, trois jours seulement avant le crack de 1929, nous dit que les actions ont atteint un haut plateau permanent. Oui. Donc je crois qu'il faut rester très circonspect aux prévisions, notamment des banques centrales, qui nous promettent une inflation maîtrisée dans les 12 mois à venir. Pourquoi bah, Déjà euh, parce qu'elles euh, n'ont ni vu venir euh, la hausse des prix euh, actuels. Il y a encore 6 euh, mois, 8 mois, on nous disait que c'était transitoire. Mais aussi parce que les banques centrales n'ont pas vu venir la chute de Lehman Brothers, elles n'ont pas vu venir la crise financière. En fait, elles ne voient absolument rien venir, les banques centrales. Mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inflation a deux effets principaux sur l'économie. Le, le, le premier, on en a déjà parlé longuement, c'est la hausse des prix à la consommation et la hausse des prix des actifs. Euh, c'est le résultat du, du, du quoi qu'il qu en coûte. Et malheureusement, je crois qu'on va vers un appauvrissement durable de l'ensemble de la population française. Et notamment des classes les plus fragiles. Mais ce n'est pas le seul effet de l'inflation. Il y a un deuxième effet euh, de l'inflation qu'on peut appeler la distorsion des prix. Donc laissez-moi expliquer ce que c'est. Imaginez que vous avez euh, un restaurateur qui a un restaurant dans une petite ville de province. Euh, ce restaurateur fait une trentaine de couverts par soir. Là, un jour, à l'insu de de sa connaissance, s'installe proche de son restaurant, un cirque. Mmh. Évidemment, le cirque draine de nombreux visiteurs et euh, tous les artistes vont se restaurer dans ce restaurant. Le restaurateur est très content, il voit arriver énormément de, de clients, de nouveaux clients, donc qu'est-ce qu'il fait ben, Il recrute du personnel, il va prendre un, un crédit pour euh, acheter l'annexe à côté et, et, et agrandir son restaurant, il va acheter les tables, les chaises, les couverts, tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement d'un restaurant. Un jour le cirque s'en va. Le cirque s'en va. Qu'est-ce qu'il fait, notre restaurateur ben Là, il est très mal. Mmh. Un, il va licencier en partie son personnel il a un crédit sur le dos qu'il ne va plus pouvoir rembourser donc il va faire faillite. On, quand on baisse les taux d'intérêt, c'est un petit peu la même chose que d'avoir une demande supplémentaire une demande artificielle. Et évidemment, quand on remonte les taux, on appelle ça une politique de normalisation, eh bien, on crée ce qu'on appelle des crises. Pourquoi on crée des crises Parce qu'on se retrouve dans la même situation que ce restaurateur. Warren Buffett, le, le célèbre investisseur, disait C'est lorsque la marée est basse qu'on voit ceux qui nageaient tout nus. Là, c'est un peu la même chose. Lorsque les taux remontent, on voit ceux qui ont entrepris des projets non rentables. Mmh. Donc aujourd'hui, on arrive dans une politique de normalisation, c'est-à-dire de hausse des taux, qui peut juguler l'inflation, effectivement. Mais par contre, il y a un souci majeur, c'est qu'on n'a plus les mêmes marges de manœuvre que dans les années 80. Dans les années 80, il y a une inflation très importante aux États-Unis, et le, le président de la, de la Fed, Paul Vauclair, à l'époque, a remonté les taux d'intérêt jusqu'à 20%. Mais aujourd'hui, on n'a plus ces marges de manœuvre parce qu'on a un endettement qui est très important. Donc si vous augmentez les taux d'intérêt de manière très importante, ben, votre endettement, il va vous coûter beaucoup plus cher. Donc nos marges de manœuvre sont très limitées. Euh, et de l'autre effectivement quand on remonte les taux et eh ben on a ce problème de crise donc on est un peu pris dans un dilemme entre d'un côté une inflation qui va durer très longtemps et on parle en années, pas en mois mmh. et de l'autre une crise de très grande ampleur pour vous donner une un exemple dans les années 70 on a eu en 1971 le pic de création monétaire le pic de création monétaire c'est la période à partir de laquelle les banques centrales arrêtent de faire tourner la planche à billets, en tout cas, euh, en tout cas le font de manière euh, beaucoup moins importante. On a eu le pic d'inflation seulement neuf ans plus tard, en 1980. Ah oui. Vous avez un délai mmh. entre le pic de création monétaire et le pic d'inflation. La mauvaise nouvelle, c'est que le pic de création monétaire en zone euro, c'était cette année. Donc on a quelques années devant nous. Donc je ne suis pas du tout confiant. Sur, euh, sur l'avenir de l'inflation. Et il faut avoir véritablement une, une conscience des effets délétères de l'inflation. Euh, je reprends l'exemple euh, du dollar et des États-Unis. Pourquoi Parce que, encore une fois, c'est plus simple de comparer le dollar sur la durée que l'euro, le franc, l'ancien franc. Dans les années 60, aux États-Unis, avec 10 000 dollars, vous pouviez vous acheter une maison. Aujourd'hui, avec 10 000 dollars aux États-Unis, vous vous achetez une cuisine. Donc. Qu'est-ce que c'est que l'inflation Celui qui a gardé ses 10 000 dollars sous son matelas, ah, il n'est pas mmh. content. Tout à fait. Et euh, donc, face à cette situation euh, qui risque de s'aggraver, euh, comment, selon vous, euh, sauver son épargne et comment euh, bien investir pour, euh, bah, pour parer à, à la situation euh, qui, qui s'annonce bah, Je pense que c'est véritablement la question. Euh importante et la seule sur laquelle on a un petit peu de, un petit peu de, de prise. Déjà, ceux qui l'ont fait il y a dix ans, qui ont pu réorienter leur épargne sur, des, sur des, 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 on appelle ça des supports, mais qui les protègent de l'inflation, sont beaucoup mieux aujourd'hui que ceux qui ne l'ont pas fait. Mais investir son épargne, ou ses avoirs, ou, ou son argent en période d'inflation, ça, ça me fait penser un peu à cette phrase que Dante nous disait qu'il était écrit au-dessus de la porte des enfers. Laissez toute espérance vous qui entrez. Pourquoi Parce que d'un côté, vous avez l'option entre laisser votre argent sur, euh, sur votre compte bancaire, mais comme on l'a dit, l'inflation est une taxe sur l'épargne, donc votre pouvoir d'achat s'érode avec le temps, et de l'autre, les prix, comme on l'a dit, subissent des déformations à cause de ces, ces modifications du taux d'intérêt euh, de la Banque centrale. Donc c'est évidemment quelque chose qui, qui, qui n'est pas facile. Euh, ceci dit, avant de, de donner quelques suggestions ou quelques idées, j'aimerais quand même rappeler que pour, euh, dans, dans le monde des investissements, il y a principalement, il y en a un peu plus, mais principalement deux forces qui agissent sur le prix des investissements. L'une d'entre elles, c'est ce qu'on appelle l'évaluation du risque des actifs. C'est un modèle qui a été développé par euh, quelqu'un qui s'appelle William Sharp, qui nous permet d'évaluer le prix d'un actif en fonction de son risque. Et l'autre, L'autre force, c'est les anticipations que le marché se fait du prix de l'actif. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que si, par exemple, demain, un météorologue vous dit qu'il va faire beau, bah, s'il doit faire beau, il fait beau, peu importe ce que dit le météorologue. Par contre, si un grand financier ou un grand fonds d'investissement vous dit que l'or va monter ou le dollar va baisser, bah, même si effectivement il devrait faire l'inverse de ce qui a été dit, le fait que quelqu'un... Vous disent qu'il aille dans une di certaine direction et qu'il est du poids, ben ça influe sur cette direction. Ce qui nous amène à la première règle, dans les investissements, il vaut mieux avoir tort avec tout le monde que raison tout seul. Euh, donc, dans le monde des investissements, ce qu'on cherche, c'est une sorte d'asymétrie entre le, le, le gain potentiel et la perte potentielle. Il y a toujours une perte potentielle, mais on, on, ce qu'on veut essayer de faire, c'est qu'il y ait plus de chances de gagner que de chances que de, de perdre. Donc, qu'est-ce qu'à mon avis, il faut faire aujourd'hui La première chose, c'est de s'intéresser. À des monnaies qui ont eu des politiques monétaires restrictives. Mmh. Euh, donc évidemment, c'est ni l'euro, ni le dollar, ni ces monnaies qui se sont, qui ont été, euh, dont on a beaucoup utilisé la planche à billets. Alors effectivement, en ce moment, le dollar, euh, notamment, s'est renforcé. Pourquoi Parce que quand ça va mal, en général, on va sur la monnaie, euh, la monnaie qui fait office de valeur refuge et c'est le dollar. On parle aussi beaucoup des crypto-monnaies. Euh, sur les crypto-monnaies, je suis assez partagé. Je comprends l'intérêt, pour moi, des crypto-monnaies. Je pense qu'il y a un futur avec les crypto-monnaies. Alors, il y en a parfois qui vous disent « Oui, mais les crypto-monnaies, ça repose sur rien. » Pardonnez-moi, mais depuis 1971, les monnaies, la monnaie fiduciaire ne repose aussi sur rien. Euh, ce qui est beaucoup plus problématique avec les crypto-monnaies, c'est la question réglementaire. C'est-à-dire qu'on est toujours euh, sous le risque que euh, les banques centrales se réunissent, interdisent, taxent, limitent d'une certaine manière, l'utilisation des crypto-monnaies. Quoi d'autre On peut s'intéresser, donc, comme je l'ai dit, à euh, tous les actifs qui sont difficilement duplicables. Ça implique aussi les actifs immobiliers. On parle d'emplacement. Quand on a un bon emplacement dans l'immobilier, c'est toujours une bonne idée. S'intéresser aux actifs dont on dit qu'ils nous protègent de l'inflation, pour une raison qu'on a évoquée vaut mieux avoir tort avec tout le monde que raison tout seul. Euh, S'intéresser euh, aux investissements euh, ou aux sociétés euh, dont euh, les produits ou les biens ne sont pas en première, ligne, euh, de, 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 en première ligne des dépenses des ménages. On sait tout ce qui va être transport, énergie. S'intéresser aux sociétés aussi qui ont euh, la possibilité de faire passer une partie de la hausse des coûts sur le consommateur. Donc on pense principalement... Euh, aux sociétés du luxe, mmh. euh, et s'intéresser aussi, en fait, à. Euh, enfin, déjà, ne pas s'intéresser à tout ce qui vous paie un, 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 un capital à terme, donc tous les produits obligataires, et je pense même aux, aux obligations, ce qu'on appelle les obligations indexées à l'inflation, c'est une mauvaise idée. Pourquoi Parce qu'elles n'ont pas vocation à dépasser l'inflation, mais à l'égaler. Et on peut s'intéresser aussi à tous, tous les types d'actifs où, où, où l'État est particulièrement défaillant, et je pense notamment à. Euh, tout le secteur de la sécurité, où l'État est principalement euh, en défaillance totale sur ce type euh, d'activité, et où on sait que lorsqu'il euh, lorsqu y a du sang dans la rue, en général, euh, Rothschild dit qu'il faut acheter de l'immobilier, mais il faut aussi acheter des, des, des actions de sociétés de sécurité. Voilà. Euh, merci beaucoup, Gérald Dautier. Je vous en prie. Euh, passez une excellente soirée. Euh, J'en profite pour ceux qui n'ont pas vu l'info passer qu'il y a un changement dans la rédaction. Euh, Eric Tegner quitte euh, euh, Livre Noir et euh, c'est Georges Jordi qui va le remplacer en tant que directeur de la rédaction. Euh, il a plein d'idées, euh, on, on vous proposera euh, grâce à lui plein de nouveaux contenus et euh, vous nous retrouverez toujours pour le rendez-vous euh, du dimanche euh, auquel vous tenez.